Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfon pour un nouveau jeu qui s'appelle Darkness Night 3 en compagnie d'Andreas. Bonsoir Andreas. Bonsoir, aussi, ce soir l'ambiance est vraiment métal pour le coup. Oui, non, elle est posée, elle est charmante, elle est discrète, elle est littéraire. Nous avons commencé le scénario avec Lenlord, donc c'est un scénario co-op bien sûr. C'est un jeu très posé, très calme, très sensible. L'histoire. Maximilian est parti. Personne ne sait où il est. Il a quitté l'ordre. Il m'a laissé, moi, avec ses enfants. Né avec la capacité d'utiliser la magie des failles, Egan ne connaissait pas sa puissance. Kelsey était la novice la plus studieuse de l'ordre, mais elle manquait de contrôle. Je devais tester leurs capacités. Un véritable ogre vous aurait déjà dévoré. Pardon, sorcière. Croyez-moi, vous auriez préféré ce destin. Tu penses qu'il va revenir ? Waouh ! Tu peux vraiment pas dire des trucs intelligents. Venez, la récré est terminée. Et donc voilà, donc tu choisis ton perso. Tu choisis si tu es plutôt dictionnaire, encyclopédie ou roman. Plutôt dictionnaire, encyclopédie, on va dire. Voilà, moi je vais prendre la classe épistolaire. Voilà. À base de swag. Ah là là. Et on part pour un jeu très posé, mais il faut que j'attende que tu valides tout, évidemment. C'est bon. On va partir à base de massacre d'orques. Ça va bien se passer avec beaucoup de détente. Beaucoup de détente. C'est assurément pas une faille de l'ordre. Ah, base de clic droit, clic gauche. J'aimerais vous dire que je le savais, mais en fait non. Continuez. Tu as raison, Kelsey. Cette faille est différente. Alors. Vite. Alors, je te laisse faire des trucs. Soyez prêts. Je vous donnerai d'autres instructions dès que je le pourrai. Ça a l'air d'être. Comment l'entendre alors qu'on peut pas la voir ? La télépathie, gros malin. Bon, essayons ces pièces sur le terrain. Oh le fun, dis-moi je peux. Oh non, le jeu t'es dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. C'est pas juste. Ah non, j'en veux pas. Je veux bien que tu me les enlèves, s'il te plaît. Vas-y, je te les enlève. Hop. Oui. Ah, j'ai besoin de plus d'argent pour ça. Voilà. Mais je te laisse tapisser devant. Voilà. Même ne serait-ce que là, hein, quand ils sortent, hein, je crois que tu peux tapisser juste devant aussi, si tu veux. Alors, fais des lignes de 3, hein, vraiment, parce qu'ils vont prendre tout l'espace. Et surtout, dépêche-toi, puisque si on veut toutes les médailles, il y a du temps. Imparti. Allez, lance la vague. Tu finiras plus tard. Lance la vague. Allez hop. C'est parti. Cassez la porte, satané orc. Nous sommes prêts à vous attendre de l'autre côté du mur. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. La porte est détruite. Oh, joli. Oh, sympa ton pistolet. Ils arrivent. Ça fait boum. Alors, j'espère qu'il y a deux fois plus de mecs, hein. Pour deux fois plus de butch. Boum. Enfin, un petit bonus de thune. Allez, hop. Faut qu'il lance les vagues. Je peux pas poser grand chose du coup. Je pose vraiment des pièges très chers. Ouais. Bah, tu peux les serrer hein, tes pièges, hein. C'est pas gênant. Hein. Non, c'est pour les timings de reload. C'est pas gênant, ça ne change rien. Alors faudrait que tu nous expliques ce concept. Ça permet que, tu vois, vu que les avances sont un petit peu en décalé, et pas tous collés serrés. En gros, quand ils arrivent ici, au niveau de du dernier piège, le premier aura reload. Tu vas, hein ? C'est ça l'objectif. D'accord. Ok. Bon. Je te le dis. Comme dans le manuel. Et mes pièges provoquent un effet de paralysie. Ils peuvent provoquer un effet de. Plus d'ennemis. C'est pour ça que je vois pas pourquoi tu laisses des creux entre. Mais ok. Je vais gérer ton truc.
Moi je gère mon truc, Hop, je vais remettre des flèches dans l'œil. Sinon je fais pas beaucoup de dégâts. L'amélioration de mon arc ça n'a pas été la priorité. Hein. On cache pas que c'était pas. J'aurais aimé avoir un match de guerre genre nul. Tu sais, genre un match de guerre un peu gros, un peu fatigué, un peu vieux, tu sais. Mais il a juste un bâton pour se déplacer et puis éventuellement il peut mettre un coup de taquet de bâton. Mais tu sais, genre pas plus, genre il est nul, mais t'as un bonus de points en mana au départ. Ça aurait été drôle. Genre t'es mauvais en fait en DPS et t'as juste plus de matos pour poser plus de pièges en fait. Ouais, moi ça m'aurait beaucoup amusé évidemment. Parce que moi je suis un crétin. Hop, je vote tout de suite, va tout de suite le départ, faut qu'on gagne du temps. Faut qu'on gagne de l'argent. Ok, let's go. Dans ce jeu, on va essayer de. Je vais essayer d'améliorer mon arme. Je sais pas comment ça fonctionne pour l'arme. Après c'est vrai que si tu joues beaucoup à l'arme, ouais c'est. En vrai je devrais faire aussi hein, parce qu'en vrai on abat tellement de gens avec nos armes. Bah moi j'ai une arme qui est plutôt forte contre les personnes assez assez stoïques. J'ai un pont. Ouais tu fais du dégât au lourd. Alors que moi c'est plutôt sur les légers que je suis efficace ou quand je mets des flèches dans l'œil. Pareil, ouais. Moi j'ai un 4 coups, un pont à 4 coups. Et je recharge. Moi j'ai un arc à 12 coups. Je peux lancer 12 flèches par 12 flèches. Wow, trop fort. Ah puis on est timé en même temps. Hein. Les mecs ils ont tellement bossé la danse. Alors là tu peux regarder par exemple dans statistiques. Quel crâne on a perdu? Genre on n'a pas ramassé de crâne, on n'a pas eu un touchat parce que visiblement tu t'es fait toucher. Allié tué depuis le début x0, nous n'avons tué aucun allié, ou tu es mort peut-être, non, on sait rien. Voilà, donc non. On a deux crânes qui ont été perdus dans les crânes bonus parce que bah, l'un d'entre nous s'est fait toucher. Donc en fait tu as le parfait de 4 crânes si tu n'as pas eu d'or qui ont traversé ta faille. Et tu as un crâne, donc le cinquième crâne qui est le crâne de temps. Donc on a été rapide. Bon, l'astuce entre autres c'est de déclencher les vagues tout de suite. Donc ça c'est une chose. Et tu as et après tu as tous les crânes bonus donc, qui te sont indiqués au niveau des stats, dont celui qui est très intéressant, qui est l'intouchable, qui bah, te permet de gratter instantanément deux crânes supplémentaires. Ce qui n'est pas rien. Ouais, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, voilà, donc tu peux partir améliorer quelques pièges, quelques trucs et machins. Allons voir ce que nous avons. Ah, j'ai débloqué le pilier de gravité. Projette les ennemis dans les airs en fonction de leur poids et les laisse tomber. Ouais, il n'est pas amélioré chez moi si jamais. Si jamais ça t'intéresse, ça fait partie des trucs que j'ai pas amélioré du tout. Est-ce qu'il vaut le coup? Ouais, en vrai, il est grave bien. Il est grave bien. Je l'utilise, moi, Vanilla, je l'utilise. Parce que non seulement, en fait, il soulève les mecs et tu te dis, ouais, mais si le plafond, il est juste au-dessus, le gars, il tombe, il prend aucun dégât. D'accord. Je suis d'accord. Sauf qu'il retombe, ton piège, il s'est rechargé, donc il se reprend deux fois tes clous. Et si j'ai des pièges muraux, mes pièges muraux, ils sont rechargés et il se prend des pièges muraux en plus. Et il peut attraper plusieurs personnes, en plus. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, là, je suis en train de regarder le tromblon. Ouais. Pour mon arme. Tu vois la grenade. Je peux l'améliorer. Et ça fait l'attaque secondaire gèle les ennemis. N'inflige ni dégâts ni recul. Je peux geler entièrement les ennemis. Avec mon attaque secondaire. Ah, c'est cool. Après, les dégâts. Je peux augmenter les dégâts de. C'est soit je gèle, soit j'augmente. Et je fais plus de dégâts, soit j'augmente mes dégâts. Ok, ok. Ouais, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est pas déconnant. Ouais. Moi, ça assomme, ça étourdit temporairement. C'est pour ça que j'ai joué à fond sur le goudron. En fait, moi, je joue à fond sur le ralentissement des ennemis. Et parce que le goudron peut prendre les flammes. Je suis monté sur les archers aussi parce que les archers vont pouvoir faire des dégâts de feu. Et que tout orc qui est dans le goudron prendra des dégâts de feu supplémentaires.
Or, les trolls ne peuvent pas régénérer de vie dans les dégâts de feu. Voilà. Et ça, c'est top. Je suis en train de faire un bulle anti-troll. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Voilà, donc ça, c'est pour nos petites explications à nous. On va pas embêter YouTube beaucoup plus que ça. On se retrouve pour le prochain épisode, YouTube. Des bisous. Des bisous.